chose promis, chose due. Aujourd'hui, je vais te faire une très longue, une longue vidéo sur les couleurs et quel match elles renferment. Car oui, des couleurs, en psychologie en tout cas, sont synonymes de personnalité. Je vais te parler du caractère, de comment tu t'habilles le matin. Parce que comme il y en a qui le savent, ne savent pas. Le matin, lorsqu'on s'habille, on ne s'habille pas au hasard. On s'habille selon notre humeur, selon ce qu'on va faire dans la journée. On va pas s'habiller pareil si on va dans un enterrement ou si on va faire du shopping. T'es bien d'accord? C'est deux choses relativement distinctes, d'accord? Donc les couleurs qu'on va choisir, on ne les choisit pas au hasard. Mais sans pour autant savoir qu'est-ce que ça définit, d'accord? Donc on va pouvoir deviner que selon tes couleurs que tu as choisies, tel ou tel caractère. On pourra peut-être même connaître des valeurs. Il suffit de connaître la signification des couleurs. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez été nombreux sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Instagram si tu veux me parler ou même te visiter une vidéo. N'hésite pas, je suis assez ouvert d'esprit. Donc, voilà. Ça a été beaucoup demandé, donc je la réalise. Si vous avez astrologique, des chiffres du même style que les couleurs, du gold trading, j'ai pas mal de petites techniques comme ça. Si vous voulez une autre vidéo de ce style, vous me commentez votre couleur préférée, d'accord? Et on verra un petit peu ce que ça donne. On est parti. Donc, ensemble, on va voir plusieurs couleurs. On va voir le rouge. Donc, si parmi ces couleurs, tu vois ta couleur préférée, soit c'est par la couleur la plus puissante, c'est un petit peu le leader des couleurs. On va commencer par la couleur rouge. Alors avec moi j'ai mon cahier, pas au cas où si j'étais toute, je pourrais regarder mon cahier, d'accord, voilà. Au point de sûr. Imaginons que ta couleur rouge, c'est ta couleur préférée. Mais qu'est-ce que ça va dire sur toi? C'est la couleur d'une personne dynamique, bourrée de force et de caractère. Cette personne a le sens des priorités, d'accord? C'est quelqu'un qui aime se faire un petit peu remarquer, d'accord? Alors attention, on verra cette couleur rouge sur les habits.
C'est cette sensibilité qui va faire sa force. D'accord? Le couleur bleue a tendance, parfois, quand il n'est pas bien dans sa vie, à écouter de la musique triste, à pas être bien. Il se rapproche de ses émotions en réalité. Et c'est grâce à ça qu'il va redevenir encore plus fort. Pour faire
C'est un petit peu flatteur. Les jaunes peuvent un petit peu se la péter. Les jaunes. C'est ça, moi je sais ça. Tu sais pas quoi?
C'est la couleur vert. Non, je déconne, c'est orange, tout le mec c'est orange. La couleur orange. La couleur orange, j'aime bien ces gens-là. Je les apprécie beaucoup. Car c'est des gens joyeux, faciles à vivre et surtout optimistes. Ce sont des gens qui apportent du soleil. L'orange, c'est un petit peu la personne qui est
usant d'être avec un orange. C'est important que l'orange se contrôle, d'accord? Mais l'orange, sa priorité, c'est être heureux, d'accord? Et s'il aime une personne, il aura tendance à faire des efforts pour cette personne, pour qu'il soit heureux, elle et lui. Voilà en gros ce que c'est un orange, pour faire simple. Si t'as un ami orange, n'hésite pas à l'inviter à la soirée. Tu peux être sûr qu'il va animer ta soirée. Les personnes qui aiment la couleur orange peuvent aussi aimer la couleur rouge. Ah oui, on a vu la couleur orange, mais maintenant on va s'attarder sur la couleur rose.
associent qu'il est gay. Non, ça c'est un cliché, c'est pas réel. Moi je fais des généralités basées sur des statistiques. Ça veut dire que 65% des femmes adorent le violet, donc plus que le rose. C'est pas un cliché, c'est une statistique, d'accord? Vous me connaissez, je suis pas très cliché. Alors, encore une fois, tout ça, chaque personne est logique.
quelqu'un qui s'habille en noir, style je m'en fous, ça peut potentiellement être quelqu'un de déprime. Donc je vous invite à y faire très attention, d'accord? Car ces gens-là ont besoin de strokes. C'est quoi les strokes? Un strokes, c'est un besoin de retour de reconnaissance. Par exemple, dire à quel point tu comptes pour moi et que je te trouve très fidèle comme ami. C'est un retour de reconnaissance et ça fait vraiment du bien. Et les gens qui aiment le noir aiment ce genre de compliments, de retour de reconnaissance, d'accord? Donc n'hésitez pas à leur en lâcher plein. C'est moi.
Je me sens.